dossier ça qui ça lié parce que il y a pile monde qui pas comprendre et jusqu'à présent qui a fait dilatoire qui a créé diversion le simple fait que Guy Philippe met ton discours en tête yo l'été kidnappé par les Américains et ensuite yo te forcé pour le plaider coupable alors que gain élément gain matière gain document qui prouvait c'est Guy Philippe lui-même qui était d'accord sien et n'a vini avec date avec tout élément ça yo et nous pral wè combien cob yo te estimé ou te dit Guy Philippe te recevoir en pot de vin qui donc en batab dans affaire trafic illégal de stupéfiants cocaïne nous pral garder ça avec professeur Frédéric Boiron. Professeur bonsoir et merci parce qu'on fait un pile sacrifice pour répondre à l'invitation nous comment noyé. Bon, ben merci beaucoup de l'invitation hein, et puis je pense que c'est important que si mes combats et que ouvrez public là les comme bah explication sous ça moins dit donc faut moins faire sacrifice là pas gagner en pile temps mais moins te promettre que ma place donc nous avons 30 minutes devant nous pour nous expliquer qui ça que moins joindre comme information des informations indémontables. Alors puisque dit mais déposé mais voilà nous gagner pile information que nous connaît déjà que et Guy Philippe yo les Américains te mettent au mandat et te mettent des accusations pardon contre Guy Philippe dès 2005. Maintenant c'est pas vrai, yo pas kidnappé Guy Philippe et c'est un mandat d'arrêt que c'est tribunal au CAI qui émet au mandat d'arrêt. Moun qui a arrêté Guy Philippe yo c'est BLST, Bureau de lutte aux stupéfiants en Haïti. Donc, c'est la police haïtienne qui a embarqué Guy Philippe avec collaboration d'IE. Maintenant, l'autre élément pour dire qu'il n'y a pas kidnappé monsieur, c'est que l'œil au fin arrêté monsieur. Au prani, là où il y a un avion avec lui, pour y aller Miami avec lui, les Américains ont reçu autorisation du gouvernement haïtien, donc du gouvernement de privé à l'époque. Donc ça veut dire que ce n'est pas un monde qui a kidnappé, c'est un monde qui a arrêté en bonne et due forme. Sous un mandat qui a été émis au moins 12 ans avant qu'il ait arrêté monsieur. Ça veut dire que pendant 12 ans, ça, il a cherché Guy Philippe, il a joint, il a well, il a négocié avec Guy Philippe. Guy Philippe relait et dit, il relait des agents du FBI pour lui négocier avec lui. Pour lui, ouais, est-ce qu'il s'en est gagné la main, comme preuve, pour, avant que lui rende tête. Il négocier avec lui, et dit, négocier avec Madame Guy Philippe. Madame Guy Philippe relatait plusieurs épisodes côté que nèg yo té rentré la caille li vinn chercher Guy Philippe et même là d'ailleurs qu'il y a un épisode côté va chercher monsieur la caille li madame nan dit que li blessé dans épisode ça. Un deuxième épisode li dit que nèg yo vandalisé caille li, ça yo viré caille la tête en bas y a chercher monsieur en dans caille là. Donc c'est pas yon moun que yo kidnappé, c'est yon moun que yo arrêté. Et puis yo allé avec monsieur aux États-Unis. Le monsieur arrivé aux États-Unis, monsieur Bral présenté devant le tribunal, la première séquence que monsieur Bral fait, il Bral plaider avec avocat, il Bral plaider trois arguments pour faire libérer monsieur le plus rapidement possible. Premier argument que monsieur déposé, que avocat déposé, avocat il dit que monsieur sont sénateurs liés et que il gagne immunité, il n'est pas capable d'arrêter le conservateur Menel devant le tribunal. Juge là dit oui, effectivement, monsieur son sénateur, mais sénateur a pas assermenté. Ils sont sénateurs élus, mais ils pas assermenté. Donc, il dit que ça a pas qu'un B. Il dit que si c'est son argument, ça a dit pas qu'un B. Il dit tout que monsieur dit que les gagnants, juge là lui-même, Bral dit que normalement les hommes émettent un mandat contre au monde ou qu'on délai pour mener monta devant tribunal. Et puis juge là Bral dit mais nous prend trop de temps pour mener monsieur devant tribunal. Et bon pièce à conviction que vous voyez bah aujourd'hui avant que nous parlions rentrer en onde là. Mais à un moment donné c'est que en 2006 les négos ouais que ils ont Bral dépassé délai. Et l'Américain ouais que Bral dépassé délai pour mener monsieur devant tribunal là, il Bral déclaré monsieur fugitif.
yo pral fè démonstration que yo fè plusieurs tentatives pour yo arrêter monsieur avec la police haïtienne et puisque yo pas capable et que monsieur en fuite, yo déclaré monsieur fugitif. Pire encore, monsieur pral fè une demande d'accès à l'information, donc monsieur pral voyé un formulaire que n'importe qui citoyen peut attiser gain droit et voyé et monsieur pral rempli formulaire ça, li pral mandé qui ça yo gagné contre lui comme accusation. Et là monsieur signé et formulaire là, li signé Guy Philippe Piti fugitif NCIC. Donc monsieur lui-même li écrit que c'est fugitif lié. Donc comme monsieur son nèg qui d'après ça moins ouais dans recherche moi son nèg qui rien fait théâtre, qui rien gonfler colli, et ben monsieur écrit ça, donc ça a tout bral aider tribunal là pour dire que non c'est pas un sénateur. C'est pas un monde que vous pas mené devant tribunal à temps, c'est un fugitif que vous mené là by et tribunal là. Donc à partir de ce moment-là, ça puisque nous évacuer possibilité pour que cela tombe, si vous voulez, nous évacuer toutes les possibilités pour que cela tombe, et ben on y a là avocat monsieur Bral plaider pour monsieur, il va plaider non coupable. Donc il plaider non coupable. Et à ce moment-là, c'est quand ça marche dans le système judiciaire américain, hein, ou plaider non coupable, lorsqu'une plaider non coupable, la poursuite a l'obligation pour déposer des preuves. Et la poursuite déposer des preuves. Avant de déposer des preuves, il y a un bagage, il y a un monsieur, est-ce que vous gagnez un relevé bancaire? Et monsieur dit non, il n'y a pas de relevé bancaire parce que transaction que vous demandez, il y a remonté trop loin dans le temps pour l'y gagner. Et puis il dit d'accord, pas de problème, mais il y a déposé des preuves. Il y a déposé des preuves de transaction que monsieur fait. Et puis là, l'avocat, monsieur Okunyala, Bral Chita, pour lui dire qui ça a fait pour éviter monsieur prison à vie. Parce que, comme dit vous, que accusation yo contre Guy Philippe au départ, c'est une accusation de importation de cocaïne aux États-Unis. Une autre et deuxième accusation, hein, c'est une transaction de plus de 10 000 $ dans vente de cocaïne aux États-Unis. Et troisièmement, c'est blanchiment d'argent dans le cadre de narcotrafic. Donc, ça, yo pral fait, c'est que l'avocat yo pral négocier avec la poursuite pour Guy Philippe ouvert ventli by tribunal là pour l'expliquer crime yo, pour lui expliquer qui Jean crime na yo organisé et en échange pour nya là yo bral un peu plus complaisant avec monsieur. Donc comme dire que accusation importation drogue là plus accusation transaction drogue là dans les deux cas résultat c'est prison à vie point final pas aucun demi mesure là ça si c'est sans là ça yo prend monsieur c'est prison à vie. Avocat, vous faites monsieur comprendre que si vous pas négocié pour lui, pour vous joindre en temps, c'est-à-dire que pour lui venir vivre devant le tribunal là, et mais si vous pas négocié en temps ça, c'est prison à vie tout droit. Donc, Guy Philippe, Bral Chita, avec tribunal là, avec greffier, et monsieur Bral fait une déposition. Monsieur Bral fait une déposition pour lui expliquer qui Jean que lui organisé crime drogue ça yo en Haïti, de début des fin des années 90 début des années 90 jusqu'à début des années 2000. Et puis monsieur Bral dit voici mais en résumé mais qui ça monsieur dit. Monsieur dit que li transféré 376 000 $ qui était dans une banque en Haïti et dans une banque au Salvador que li transféré dans un compte conjoint que il dégagné avec madame ni aux États-Unis en Floride. Monsieur dit que il transférait 70 000 $ par petite coupure de 10 000 $ par tranche de 10 000 $ parce que en bas de 10 000 $ et fisc américain pas fait vérification. Monsieur dit que avec l'argent ça que il était prend la drogue là, eh ben il était acheté un caille dans Broward County. Monsieur dit que colombien yo qui était bal travail ça payait jusqu'à 3,5 millions de dollars. Monsieur dit tout que Jobly s'était assuré que cargaison de drogue sortit Colombie et que yo bien arrivé à Haïti. Pendant que Haïti pour lui bien assurer que en sécurité et lui-même Jobly tout s'était assuré que cargaison a parti vers la Floride.
monsieur dit que pour le faire ça, il fallait que se payer des policiers haïtiens et même des officiers de la police haïtienne pour qualité et corrompre pour faire travail ça. Donc monsieur, c'est ça que l'IBAE comme information. Et la sentence qui va tomber, parce que là, ça veut dire qu'on négocie sentence. Pour monsieur Baye, ça, la justice américaine pas plus intéressée à Guy Philippe, ni intéressée à qui genre structure et importation de drogue là fait. Donc ça veut dire qu'il est intéressé à comprendre toute manigance. Et le monsieur est arrivé au tribunal, comme du tout, le tribunal, non seulement il dit que il pièce à conviction contre lui, il dit tout qu'il y a 10 monde minimum qui prêt à témoigner contre lui qui était pas parti de complice. Donc monsieur retrouvé le coincé, il n'a pas rien le choix, c'est soit que il vit devant lui ou bien c'est prison à vie captain. Et c'est dans ce contexte là que monsieur vidé par le tribunal. Il va le sentencer Guy Philippe. Il va le ban monsieur 9 ans. De détention. En fait, c'est pas même 9 ans, il y a écrit, c'est 108 mois qu'il y a écrit. D'accord? Il y a même 108 mois de sentence, de prison, de pénitencier, et puis il y a même 3 ans de liberté surveillée. Ensuite, ce qui est encore plus important, il y a même une amende de 1,5 million de dollars. Et il a jugé que quand monsieur te gagne que il t'a acheté avec cop drogue là dans Broward County, quand ça te vaut justement 1,5 million de dollars. La cour saisit Kaela en échange de dette monsieur a, donc il prend Kaela pour dette 1,5 million de dollars. Donc rappelez-nous que le chef de la police en Haïti kounya là fait 97 000 gouttes par mois. Donc c'est à peu près 12 000 dollars américains par mois que un chef la police gagne. Et par année. Donc, Guy Philippe, t'es commissaire, il n'a pas même fait comme ça pour te gonkaye 1,5 million de dollars aux États-Unis. Donc, la démonstration, à savoir, est-ce que t'es kidnappé, monsieur, c'est faux. Est-ce que t'es forcé, monsieur, et plaidé coupable, c'est faux. Monsieur, t'es obligé plaidé coupable, c'était ça, ou bien c'est prison à vie. L'autre élément qui prend l'important, c'était, et c'est très important pour montrer que monsieur admettre culpabilité et qu'elle était effectivement plaidé coupable, c'est que il aura libéré monsieur sous 6 ans. Pas oublier moins dur que monsieur gon sentence de 9 ans. Il a libéré le sous 6 ans. Et même pour le libérer sous 6 ans, faut qu'on admette côté commettre crime. Il a pas libéré sous pas repenti. Il a pas libéré sous pas dit que leur sauté ou pas préfère ça encore et qu'on admette côté fait mais qu'on pas préfère encore. D'ailleurs, l'enlève que monsieur voyait par commission libération conditionnelle là, c'est ça lui dit. Il dit que lui apprend de erreur lui et que lui pensait que le cavine nos meilleurs citoyens et que lui bien pressé là pour le rentrer en Haïti pour l'aider moun dans la commune Pestel avec et la vallée de Tiburon. Mais qui ça que monsieur dit? Non seulement que les monsieur dit que yo t'es kidnappé, c'est pas vrai. L'elle dit que c'est forcé, c'est des coupables. C'est pas vrai parce que lui-même lui écrit que lui admet que lui commet crime là et non seulement ça, lui chita lui vit devant lui, lui bah exactement si ça crime là rapporté qui j'en fait. Ce qui est aussi très important, c'est que le juge là, la juge a dit à Guy Philippe non seulement que crime n'y a un impact aux États-Unis en Haïti et dans la Caraïbe, mais lui reprocher monsieur, lui avilir monsieur, lui dire comme ça que ou utiliser privilège comme haut gradé de la police d'Haïti pour enrichissement personnel ou. En plus de ça, pour crime ça yo ko faire comme policier, pour éthique qu'on supposé gagner comme policier, non seulement que ou trahir la confiance de la police comme institution ou trahir la confiance de la population haïtienne. Donc, juge là, m'a dit que juge là, avant de prononcer sentence là, li avili Guy Philippe pour dire monsieur que ou c'est, ou prend pouvoir ça, que ou ba ou comme policier, côté qu'on population pour confiance pour défendre ni, alors qu'on utilise pouvoir ça, utilise privilège ça pour enrichissement personnel, et lui-même lui considérer que c'est une trahison à la nation que Guy Philippe fait en cadre de poste que l'occupait pour type de crime que lui commet. Voilà ce que moi je voulais démontrer
C'est-à-dire que c'est responsabilité moi-même pour me dire que l'aime tendon information, moi le vérifier. Moi le vérifier information ça et information en dit clairement que Guy Philippe bail au moins deux mentis. Premier menti, il y a pas kidnappé, deuxième menti, il pas forcé, personne pas forcé le des coupables. Donc libre des coupables de plein gré parce que s'il pas été des coupables, eh bien t'as retrouvé une sentence à vie et nous pas jamais retendre parler de monsieur ça encore. Donc c'est ça responsabilité en sociologue, c'est ça que moi fais comme travail et moi-même c'est sous démocratie que m'écris. Là un système de justice, c'est qu'a fait un nèg sans coup Philippe Mouabu. C'est ça que monsieur dit, c'est responsabilité pour mal vérifier pour connaître est-ce que effectivement il fait monsieur un abus. Non, c'est faux, il a pas fait un abus, c'est monsieur qui fait population haïtienne là, société haïtienne là un abus parce que il abusé de pouvoir que il a gagné. Donc voilà le vrai état des lieux, pas de gain, tout ça que n'attendé là, toutes ces bêtises. Cependant, c'est très important ici. Tout ça que moi dit là, moi écrit un article que n'a joindre sur www.frédéricbon.com, moi expliquer tout ça et pas juste expliquer. En bas article là, moi mettez tous les liens pour nous joindre toute documentation que moi utiliser pour nous capables de faire jugement nous-mêmes pour nous connaître est-ce que m'a dit vérité ou bien m'a bail menti. Comme moi certain de ça m'a dit, moi mettez tout lien yo, moi mettez toute documentation ou même tété moi voyer document ba ou avant que me rentrer là en ordre avec vous pour assurer ou que ça m'a dit yo là que c'est pas des bagages que moi inventé parce que pièce à conviction yo disponible. Si ou fait des demandes d'accès à l'information, yo disponible. Moi-même, moi fais demande là, moi joigne yo. Et gagne qui disponible, gagne qui libre, gagne qui même sous et site internet ambassade d'Haïti à Port-au-Prince. Donc ça veut dire que pas grand rien qui caché. Toute la vie Guy Philippe pendant les peut-être les 20 dernières années publiques. Tout parcours criminel Guy Philippe. Public. Moi-même, c'est pas un gros effort que moi fais pour moi joindre l'information. Par exemple, dernière partie ou bail sur question chiffre, moi j'ai un document ça en anglais avec signature Dividal avocat Guillo et puis signature Guy lui-même comme defendant qui justement comme défendant qui était signé dossier ça tout. Donc c'est pas des bails comme si parler là. C'est ça, ça va parler là, document qu'on va parler là que moi voyez pas où. Document ça, c'est déposition, Guy Philippe. Yeah. C'est-à-dire, c'est la donne côté que monsieur dit combien cobles il recevoir, l'en main colombien, combien cobles il transférer dans compte de banque Haïti, compte de banque Salvador, que le transférer $376,000, combien, que y'a été payé pour l'y faire, et assurer que cargaison rentre, cargaison sécurisé, cargaison parti. Et c'est la donne tout que monsieur dit que c'est payé le payé, officier de police en Haïti, pour faire travailler la police, donc comme que le touché a, $3.5 million que le touché a, je dis son minimum, oui, $3.5 million que le touché, et en fait, c'est ça la cour a été gagnée en même. Ouais. La cour a été gagnée 3,5 millions. Alors, il y a une chose pour nous dire, professeur, c'est que Guy Philippe s'est plaidé parce que monsieur t'a dit que il n'y a pas rien comme ça, il n'y a pas rien comme sous compte lui, mais ça, monsieur, par rendre compte que ici aux États-Unis, yo vérifier tout détail même si vous êtes occupé ou mais vous suivez. Donc si américain pas de gain argument ça yo que m'a regardé devant là, eh ben Guy Philippe pas tape justement d'accord les coupables, monsieur Descartes vous fait résistance. Mais c'est là monsieur Renly compte que la baie menti et États-Unis gain bagaille dans mel finalement il dit ça baille rien. Exactement. Yeah. C'est comme ça système judiciaire là fonctionner. C'est-à-dire que yo pas accusé ou parce que par mes formes tête tout. Monsieur dit que t'es kidnappé pour opinion politique, etc. C'est possible, hein? Tout est possible. Ah. Sauf que le problème, c'est que ou pas qu'à dire ça encore, le bon déposition qu'on fait, côté qu'on avoue crime et qu'on signe avocat au sien. Tout le monde signe. La poursuite signe, avocat pas au sien, ou même au sien. Donc, tout ça, comme c'était dit avant, que c'est comme des pays au parrain, mais c'est pour position politique, etc. Mais tout ça pas campé soigné encore parce que monsieur signé une déposition côté que lui admet que lui sont criminels. Donc ça finit là. Donc pas aucune discussion possible encore sur question Guy Philippe. Maintenant, c'est très important et
pour moi, c'est pas ça, non, qui a empêché Guy Philippe président d'Haïti. C'est pas ça, non. Moi-même, travaille pas, c'est pas dit qui est-ce qui est pour président d'Haïti. Moi-même, travaille pas, c'est que, moi, je crois que c'est important, le nous gain monde qui a présenté pour diriger un pays, pour nous faire diligence, pour nous faire vetting sous mon yo, pour nous compte qui est sur yo. Si après tout ça me dit là, soit après tout ça que moi démontré, preuve à la pluie, et que Haïtien décide que c'est Guy Philippe que vous voulez voter pour lui, ben, grand bien leur face. Mais moi-même, responsabilité, c'est pour nous dire ça. Parce que c'est parce que nous pas fait vetting qui fait que yon ancien paix paraît devant nous, qui pas de jambes dirigeants yon en ville à part de yon paroisse, et puis il retrouve le président pays. C'est parce que nous pas fait vetting qui fait que yon ancien chanteur dans yon groupe qui t'a dirigé trois mouns retrouve la dirigeant pays qui a plus que 10 millions de mouns. Et puis qui dit en plus son vagabond lié. Qui dit depuis date n'a pris un moun qui t'a l'école pour qui ça n'a pas pour un vagabond. Qui dit son bandit légal lié, nous prenons quand même. Yon l'autre paraît, il dit son gros industriel lié, il va le produire pendant tout le pays, il va le pendant, nous va le vendre pendant, nous va le faire pendant, il va le faire pendant, il va le faire pendant, il va le faire pendant le pays. Ok? Et puis, nous prenons. Mais c'est responsabilité, nous, qui gagne moyen, qui gagne accès à l'information, pour nous faire vetting sur tout le monde qui veut les présenter. Et comme candidat à la présidence. Moi-même, moi prends Kagi Philippe là, moi j'ai information hein, parce que prochain monde qui va venir si moi j'ai information tout m'a baillo, c'est pas Guy Philippe pas problème moi. Guy Philippe pas problème moi. Pas gain problème à Guy Philippe, mais problème à personne. On veut clair pour vos amis, pour monde qui suivre, surtout les partisans de Guy Philippe. Travail sociologue Frédéric Boiron, son travail vraiment exceptionnel parce que, et c'est pas le bas à l'imaginer, moi me zoom, il y a des documents qui sont en anglais, je fais un travail non seulement les relatifs faits, yo, et les dit, mais qui ça va là, et suivant ça, la justice américaine lui-même gagne. Et ceci, et c'est un bas qui grave tout dans la presse noire. Il y a un journaliste qu'on connaît qui c'est partisan qui gagne tout document ça mais qui pas exposé yo qui pas expliqué publiquement yo qui ça ba lan ye parce que l'on pas expliqué ou faire plus talk public là parce que c'est pas parce qu'on remet nèg là mais ou pas dit vérité à sou li document yo là yo disponible mais gen journaliste qui gagne le fait que c'est et partisan ou bien supporter Guyoé yo pas partager données yo parce que gen qui ça c'est confusion on a essayé où était dans l'esprit monio et so di yo kidnappo yo forcé alors que gen des documents qui dit que mais qui sont dit et c'est suivant selon ça dit et c'est sous ça au basé ou t'es commencé pour plaider pour dire non pas fait li qu'on y a immédiatement yo rallier des dossiers yo dit mais qui les telle date mais sont fait qu'on y a yo ken bodé puis yo marou pas plaider et finalement dit OK mais ça t'est passé exactement. Et ça qui est drôle, gomba comme si on ti crasse effleuré li, mais son m'ta li tout à l'heure dans le texte là, son ba extrêmement important et qui grave tout parce que Guy Philippe monsieur ce qui ça le fait, gonseg de transaction qui pas passé sous nom, li utilise d'autres noms pour le faire transaction au passé et ça li grave. C'est samedi oui yeah. Et c'était moi je constate que les monsieur rivé là quoi. Moun que monsieur te travaille avec lui pour faire transaction yo, parce que transaction pas jamais fait sous nom la mate, sous nom li moun que lui t'ai utilisé pour faire transaction yo, et américain t'a enquêté sous monsieur tout moun yo, c'est là monsieur rivé la cour li apprendre que moun sa yo prêt à témoigner contre lui. C'est-à-dire que moun sa yo tout yo fait plus bargaining pa yo, c'est-à-dire que yo dit yo sou témoigner contre Guy mais qui ça n'a pas ou ouais. mais qui est relâchement que n'a pas ou mais n'a pas accommodé ou l'empêche. Donc monsieur te gen moun qui te complice li dans la police, la moun qui t'a fait transaction sous nom yo pour lui, etc. Moun sa yo t'es prêt à témoigner. Ça qui rive c'est que les américains yo le document qu'on gagne li dit le premier chapitre c'est que les américains yo déposé preuve yo. Avocat monsieur dit monsieur comme ça pour ça moun yo gen lambe yo là la, ou en prison à vie quand même. Ouais. Donc pour kouchita là pour ouvert vento pour ouvert falo pour la gomba lambe nèg yo pour nèg yo retirer bagage. Donc monsieur te gen trois accusations et importation cocaïne et vente cocaïne et de 10 000 dollars et plus à plusieurs reprises plus blanchiment d'argent.
Je dis, monsieur, ok, n'a prend blanchiment d'argent, c'est lui-même qui sentence la moins élevée. Sentence blanchiment d'argent, c'est de 9 à 20 ans. Voilà que Guy Philippe retrouve lui avec le minimum du minimum. Écoutez bien, c'était ça. Moi, je dis qu'on est qui s'est fait face à la prison à perpétuité, vient nous retrouver lui à une sentence possible de 9 à 20 ans, il y a bal 9 ans. Donc, ça veut dire que pour M. Rivelan, 9 ans, ça veut dire que M. Bayan, pile information. En pile information, et information, yo gagne qui consigné, et gagne que moi-même, moi pas joindre, peut-être que gagne l'autre, mais ça me gagne, yo incriminant, c'est yo même qui dit transaction l'argent, c'est yo même qui dit que monsieur est assuré et déplacement cargaison, c'est lui même qui dit tout que monsieur acheté d'autres policiers pour assurer que travail la fête pour Colombien. Donc, mais, pour monsieur passer de perpétuité à 9 ans, et sous 9 ans, ça a dit fait 6, ça veut dire Guy Philippe by Américain, ça a été besoin. Professeur, monsieur, que vous dites l'essentiel de l'article ça, que en pile, monde capable d'aller sur blog ou sur page personnelle ou soit Facebook, vous capable de joindre l'article ça si vous voulez continuer l'île avec tout détail. Yo, Frédéric Boiron, je pense que l'important pour nous apprendre plus, comprendre plus, c'est pas parce que nous avons compte à un monde, mais nous juste dit ça va aller. Contrairement à ce qu'a dit sur les réseaux sociaux, moi-même, je dis, moi, j'ai un document même qui sortit dans le tribunal ici aux États-Unis qui prouvait que Guy Philippe lui-même était d'accord témoigner. Et ou rien doit dire, non, il était forcé, mais attention, chiffre ça, yo, est-ce que c'est chiffre inventé? Comme si, comment pour ça, c'est ça, vous mettez, monsieur, que si vous avez inventé, vous avez mis plus comme. Si vous mettez 1,5 million de dollars, si vous mettez 376 000 dollars, 10 000 dollars, c'est parce que c'est ça, vous gagnez comme élément. Donc, si vous avez plus, monsieur, que vous avez dit plus. Moi-même, c'est sous démocratie que moi écrit. L'homme commence à faire des marches, ça. Premier bail qui intéresse, c'est à savoir, est-ce que tribunal aux États-Unis, est-ce que système de justice américain prêt à faire un monde témoigner contre son gré? Qui gens que font un monde témoigner contre son gré? Dans ces il faut mettre un revolver dans l'oreille pour tout sous pas témoigner, n'a pas tiré. Il faut dire comme ça que sous pas témoigner, n'a pas qu'un en prison jusqu'à ce que vous plaidez coupable. C'est pas vrai. Système judiciaire américain, si ou pas arrêté en prison sans ou pas condamné. Donc, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que juste élément ça, de qu'on est que yo pas qu'un bol en prison sans qu'on pas condamné, parce que quand on a qu'un bol, quand ça y a qu'un bol, là, il y a le prévenu. Donc, ils sont prévenus. C'est en attendant d'un procès. Si ou dépassez tant ça comme prévenu, il est obligé de libérer. Donc, si monsieur pas témoigné et que lui dit lui pas témoigné, yo ka faire procès à son lit, mais yo pas ka forcer et plaider coupable. Donc ce que ça me devait démontrer, c'est que système de justice américain pas aucune raison, pas aucune mécanique qui permette que lui forcer yo monde plaider coupable. Ça pas existé, c'est pas vrai. Et la preuve est que Guy Philippe fait une déposition, lui explique le crime, lui explique que le dégain complice pour le faire crime, lui explique que madame ni c'est complice dans la mesure que le un compte commun avec monsieur côté comme là t'es déposé l'encontre là, lui explique que lui gon caille 1,5 million de dollars alors que lui pas gain travail du pour balcon pour la son caille comme ça. Alors à professeur Colombien qui balcon, m'gal qui doit aller parce que m'gonne c'est oui. Son poste vous prêt à vous parler avec nous. On caille en 2005-2006 qui coûtait 1,5 million de dollars américains aux États-Unis. C'est pas petit bagage petit lié, non? Pour un gros travail. Oh! Ça veut dire caille ça, je dis à la c'est caille qui avait valu à plus que 3-4 millions de dollars. Ça veut dire voilà. On caille en 2005-2006 qui caille valu à 1,5 million de dollars. C'est pas petit bagage petit lié, non? Et bon, c'est comme voilà. Si bon, peut-être. Et puis de toute façon, de toute façon, yo saisi ka là. Si monsieur pas coupable, s'il pas coupable, monsieur pas qu'on fait rien comme démarche pour le récupérer ka là, puisqu'il est s'il pas coupable. Ça important. Pour récupérer ka là. Société ka les yeux, non, c'est suspend a dit vive, faut comprendre oui. Faut comprendre société, faut comprendre suspend a dit vive. Parce que pour un bon vieux ka aux États-Unis, il va les mise au passé. Bon, puis on t'a saisi, ils sont pas fait rien et puis vous pas fait démarche pour récupérer.
Elle est pas facile, manche. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'était un monde qui était face à une possibilité de obtenir une peine de prison à vie et en échange de un témoignage, donc en échange de délation, de information que monsieur baille, etc., yo ba monsieur une sentence minimale, donc ba monsieur la sentence minime du minime. D'ailleurs, yo ba monsieur sentence pipiti que était kabalia. Donc ça veut dire que monsieur baille en pile information pour que bal sentence ça. Donc voilà le bout de l'histoire. Moi-même travail moins fini. Travail moins fini, bal acharnement sur tout le monde et tout simplement ça me devait démontrer c'est que Guy Philippe a fait une propagande avec deux mentis. Que était kidnappé et que était forcé le plaider coupable. Dans les deux cas, c'est faux. C'est travail moins fini document et puis prouver ça. Document yo là, moi expliquer yo dans texte là et puis m'a dit ça encore si on nous voulait lire texte point s'il vous plaît, al vérifier référence là yo, cliquer sur yo pour nous joindre document yo et puis nous même d'a fait propre interprétation nous gain droit pas d'accord avec. Moi pas écrit pour me gain raison. Moi écrit pour faire sortir une information pour bailler une opinion. Mais nous pas obligé de même opinion avec moi donc pas seulement lit texte là à vérifier ça et pièce à conviction que m'y a si nous penser que yo valide voilà c'était merci en pile et on connaît que son pose moi prend tant que t'es dit donc merci quand même de merci beaucoup pardon pour m'opportuniser ça pour m'expliquer le travail que moi faire. Merci Fred, merci infiniment. Et bon travail professeur Kimbered, merci parce que tu as créé Titan ça pour te venir expliquer une partie ça dans gros article ça et qu'au travail ça qu'on fait des besoin plus et explication de lui. Merci Kimbella, bon travail. Avec plaisir, à bientôt. Merci, à bientôt. Donc, c'était ça. Justement, j'aime dire hein. Par exemple, bien quelques documents m'a partagé yo sur page moi après. C'est pas comme si bagaille fabriqué ouais. Salue détective Lebin ainsi que son frère. Salue non, monsieur Kimbered. Bon travail, commandant Jean. Kimbered, pas molli. Ok, la société, écoutez. Et dossier sa juge Cecilia Littitritel. Et ou ka ba été tout la peine pour Alfanti Rochette sur ça. Ok? Donc, c'est pas rien de grave, rien pour nous accuser personne. On seulement dit en vérité qui existait. Qu'un pile monde des journalistes proches qui connaît ou existait, mais qui pas choisi d'une vérité. Ok? Et d'ailleurs, vérité ça non plus pas qu'à empêcher nous, ou bien pas qu'à empêcher ou même qui connaît Guy pour continuer quoi là-dedans. Mais faut reconnaître que Guy Philippe, monsieur son nègre qui plaide coupable, que lui-même lui d'accord, que le tenant blanchiment d'argent, et monsieur dit, t'es corrompu des policiers. Pour te faciliter drogue entrer dans le pays. Hein? Et monsieur te gen bon connexion avec des narcotrafiquants colombiens et équatoriens. Oui, selon ça qui dit dans le document, parce que transactions ont remonté en Colombie, Équateur, et ceci pas oublié. Nèg sa ou gen pile même genre avec un nèg dans Dimitri Ror, ça veut dire que ou gen connexion avec un pile moun dans Colombie ainsi que Équateur et un pile l'autre pays. Et par contre, mais ou te ka remonté dans l'histoire tout ou vin gade à qui facilité colombien habitué à rentrer en Haïti jusqu'à ce que colombien cité nan touye un président de la République. En tout cas, son bail grave, mais faut me rappeler pays a c'est constitution qui dit lorsqu'on est ou gon poste de responsabilité et pour d'accord vous trahi pays ou eh ben gen sentence qui réservé pour ça. Sou quoi mentor? Ali nan article 21 constitution pays a 1987 mais qui ça le dit mais qui lè yon haïtien fait crime trahi pays lè li rentre dans l'armée yon pays étranger k'ap goumen contre pays contre république d'Haïti lè la travail pour yon pays étranger k'ap fait la guerre ak pays d'Haïti lè li volé bien l'état qui sous compte li étant qu'il nan yon place dans l'état. Est-ce qu'on équivalent nèg qui trahi pays a? Ali article 21 constitution pour prendre nous compte qui valait nèg ak femme qui trahi pays a et jou gen justice k'ap fait n'a saisi ou quantité nèg ak femme k'ap prend code pour trahison en violation de l'article 21 de la constitution. Oui, il dit que
mais qui les ont haïtien fait crime trahi pays. Les li rentré dans l'armée un pays étranger qui a gourmé contre République d'Haïti. Les la travail pour un pays étranger qui a fait la guerre avec pays d'Haïti. Les li volé bien l'état qui sous compte li étant li dans une place l'état. Les li pas respecté constitution wan. Étant li en chargé pour faire respecter constitution wan. Est-ce qu'on équivalait ancien président, ministre, sénateur, député, magistrat, directeur, secrétaire d'état qui t'a en bas code, qui t'a en état? C'est parce que nous pas jamais respecter constitution pays, non? Nous pas jamais respecter la loi. Article 21.1, mais qui ça le dit? Les yon haïtien fait crime trahi pays. Yo droit condamnel pour le travail à vie pour l'état. À vie qui donc tout temps l'a travail pour l'état nan travaux forcés. Sans yo pas jamais gen droit faire grâce. Ou est-ce que ça qui passé? Pas gen problème, non? Ça veut dire que constitution a don paquet bagarre mais qui pas jamais respecté. Et ça te fait nèg fait ça ou vle, yo vin là, yo vol l'argent ou vle, yo fourré mais on en caisse l'état jan yo vle et personne pa ka di anyen parce que c'est yo k'ap commandé, c'est yo k'ap dirigé. Est-ce que n'ka pran pays pour ne faire ça? Non. Gen on le k'ap rive, faut gagner des citoyens, faut gagner des haïtiens conscients qui assume responsabilité. M'songe yon bagay professeur Frank Etienne di avant hier. Yon nan pi gros problème nou gen la ou bien yon nan bagay que nou ta doué fè pour nous ta sauver Haïti, faut que nous ta pren conscience. Et c'est ça que je dis chaque jour ici. Parce que si nous pas conscients de la réalité, nous pas jamais sortir dans ça nous hier. Ça veut dire que pour nous sortir, faut nous conscients. Oui, nous avons une situation compliquée. Mais attention, je dis ça. C'est pas parce que ma vie manger viande qui pral fem kembe ravette pour manger dans place Aransor. Aransor, c'est Aransor, ravette, c'est ravette. Ou rien doit rien même manger ravette ou. Son choix personnel. Mais folie manger viande, pas faire tomber dans manger cricket, dans manger zandolite, dans manger ravette pour Aransor.